Bonjour et bienvenue dans Les Goûts et les Couleurs. On s'est tous un jour fâchés avec un plat ou un aliment pour une bonne et surtout une mauvaise raison. Objectif de cette émission, vous réconcilier avec votre palais. Dans cette émission, nous invitons trois personnes à relever le défi. Rencontre avec Jessie, Aurore et Marie-Chantal. Toutes les trois ont une sainte horreur des fameux choux de Bruxelles. Les fameux choux de Bruxelles que l'on servait petit à la cantine. Au chef du Pinas Café de relever le défi pour se réconcilier avec ce plat. Et le chef, c'est lui, Juberti Maroni. Après avoir roulé sa bosse dans le restaurant L'Oiseau Bleu, mais aussi dans les cuisines du Grand Hôtel à Bordeaux, le voilà maintenant au fourneau dans ce cadre magique du Cap Ferret. Je suis chef du Pinas Café depuis janvier 2019. Alors Juberti, qu'est-ce qui coince avec le chou de Bruxelles ? C'est assez compliqué de travailler les choux parce que ça a une odeur assez forte, ça a une acidité, ça si vous voulez, ça a tout plein de points négatifs qui vous donnent pas envie de manger ça. Ne serait-ce que l'odeur, déjà, c'est déjà beaucoup. Et puis après, le goût, c'est un goût très très fort. Alors chef, qu'avez-vous préparé pour Jess, Aurore et Marie-Chantal ? C'est qu'elles sont difficiles, ces trois-là. J'ai imaginé modifier un peu ce goût de choux de Bruxelles dont on a l'habitude de manger, qui n'est pas très agréable en bouche. Et j'ai aussi imaginé de faire un choux de Bruxelles où on sent réellement que le choux de Bruxelles. Parce que si vous voulez, c'est important de leur faire goûter le choux de Bruxelles retravaillé, modifié, etc. Mais il est aussi important de leur faire goûter le vrai goût du choux de Bruxelles pour qu'ils se rendent compte vraiment du travail, de la différence qui a été faite sur les assiettes. J'ai imaginé un avec du poisson, le Saint-Pierre, un avec les crustacés, donc du coup le homard, et un avec tout ce qui est un peu plus volaille, donc du coup le pigeon. Rencontre avec Jess. Elle travaille dans les collectivités pour personnes âgées. Sa grand-mère faisait tout le temps des choux de Bruxelles. Depuis, c'est saturation. Ça me rappelle mon enfant, cette amertume là, mélangée là, dans la graisse avec les lardons, la soupe là, là bien... Non. J'espère qu'il va me le camoufler, quoi. Voilà. J'espère qu'il va mettre, je sais pas, une style de pâte feuilletée, quelque chose pour pas que je le voie. Marie-Chantal, médecin à la retraite. Pour elle, la cuisine, c'est pas trop son truc. Encore moins avec ses étranges petits choux verts. C'est riche en glucides, c'est pauvre en lipides. Ce qui est très intéressant sur le plan de la santé. J'attends de découvrir les goûts du chou de Bruxelles parce que je n'en mange pratiquement jamais. Ça a la réputation, en plus d'être sur le plan intestinal, extrêmement agressif. Aurore est assistante dentaire. Elle adore cuisiner, mais pas la cuisine française et a horreur des choux de Bruxelles. Troisième. J'ai eu cette chance de ne jamais en avoir chez moi et le seul souvenir que j'ai de ce légume que je déteste, c'est la cantine. La cuisinière qui arrivait avec sa grosse louche et qui me mettait ça dans mon assiette. Voilà le souvenir que j'ai du chou de Bruxelles et ma fille l'aime, mon mari l'aime, mais on n'en mange pas parce que j'aime pas ça. Et chez moi, on ne mange pas ce que j'aime pas. Allez Juberti, au boulot, il faut maintenant mijoter tous ces petits plats et transformer ces paroles en actes. Bon Juberti, ça y est, c'est parti. Trois recettes à réaliser avec en plus du chou de Bruxelles. Je vous rappelle que les candidats n'aiment pas ça. C'est assez compliqué. Une belle bête, le Saint-Pierre. C'est parti parce qu'il y a du boulot. C'est ça. On commence avec le poisson, un beau Saint-Pierre. Un poisson à découper délicatement pour lever la partie dorsale. Le chef a imaginé une recette asiatique, car en Asie, on adore le chou. Alors Juberti y ajoute une sauce yuzu, une sauce d'agrumes qui apporte de l'acidité. Il y met du miel et du jus de viande. Le chou de Bruxelles au milieu, on a là un éventail parfait entre le côté terre et mer. Bon, chef, on est en train de finaliser le premier plat avec le poisson. Ça, c'est des conchiglioni, c'est quoi ? C'est ça, c'est des conchiglioni. On a imaginé un emburé de chou, voilà, mais avec le chou de Bruxelles. Là, on a effeuillé le chou, voilà, et on l'a passé dans la tempura, on l'a frit. Une fois qu'il est frit, ça apporte ce côté croquant. Et à ça, je vais rajouter des œufs de tobiko qui sont très, très croquants aussi. Et vous verrez, ça va pepser dans la bouche quand on l'aura. Des œufs de tobiko ? Tobiko, c'est les œufs de poisson volant. Alors ça, on voyage. On voyage, on vole. Voilà. Là, on reste dans l'Asie. Hein. Voilà. On va recouler maintenant. Place au pigeon. Le chou a été finement coupé à la mandoline. Une vinaigrette au porto supprime l'amertume du chou.
Alors le chou de Bruxelles cru, très finement comme ça préparé, ça peut réconcilier quelqu'un qui n'aimait pas le chou de Bruxelles. Ah bien évidemment, parce qu'on peut le manger aussi en salade le chou de Bruxelles. D'accord. On peut le manger aussi très en bien. Salade, on a juste à rajouter une bonne vinaigrette dedans et on peut le manger en salade comme on mange de l'iceberg ou du mesclun ou comme vous voulez. Et le Porto alors, pourquoi le Porto? Le Porto, pour, c'est, vu que ce chou il ira avec le pigeon, donc le Porto se marie très bien avec le pigeon, voilà pourquoi on lui balance dedans un peu de Porto. Voilà. Au boulot. Finalement, quand je vous écoute, on n'aimait pas tellement les choux de Bruxelles, gamin, parce qu'ils étaient mal cuisinés au départ. Exactement, exactement. Si on cuit les choux de Bruxelles juste dans une eau salée, le choux de Bruxelles, on lui laisse tout conserver à l'intérieur et ça lui donne aucun goût. Il faut travailler le choux de Bruxelles pour qu'il soit bon. Donc, les blanchir, les ébouillanter, mais après, très vite... Les refroidir pour fixer la chlorophylle, encore une fois, du verre de choux de Bruxelles. Donc, les mettre dans la glace. C'est ça, exactement. Allez, bon bain, les enfants. Une fois blanchis, les choux sont beaucoup plus digestes. Et puis, cette couleur vert fluo, quel éclat! Bon, Juberti, j'irai bien là maintenant vers une mousseline de choux de Bruxelles et un crémeux de crustacés au choux de Bruxelles. Très bien, vous avez bien raison d'y aller. C'est jouable. Parce que c'est là où on va. Allez, on y va. Je suis votre chemin. Pour casser le goût amer du chou, le chef a imaginé un crémeux avec beaucoup de beurre. À cela, notre super chef a pensé à une mousseline. Juberti à la pression, pas facile de faire aimer ses choux de Bruxelles, souvent mal préparés à la cantoche. Mais Juberti, il aime bien les défis. Le chou de Bruxelles, quelle histoire! On en fait souvent tout un plat, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette variété de choux, pas comme les autres? Élément de réponse avec notre spécialiste Marie-Luce. Benjamin, là, le chou de Bruxelles, c'est très très difficile parce qu'effectivement, c'est un légume que les gens n'aiment pas et beaucoup de gens n'aiment pas et c'est pas un hasard. Le chou de Bruxelles, ça fait partie d'une famille de plantes qui s'appelle les crucifères. Et ces plantes-là, pour une bonne, il y en a 50 qui sont toxiques. Et ces plantes, elles ont beaucoup d'amertume. Donc le goût est très difficile à apprécier. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, en nous, depuis toujours, on a dans notre inconscient un mécanisme de défense qui fait que ces plantes-là, les crucifères, on ne les aime pas. J'ai envie de vous raconter une toute petite histoire, c'est comment est né le chou de Bruxelles. Parce que le chou de Bruxelles, il n'est pas comme ça naturel. C'est une plante hybride, un chou hybride, qui sort du chou de Milan. Et ce chou de Milan a été utilisé par les habitants de Saint-Gilles, qui est à côté de Bruxelles. Au XVIIe siècle, ils ont essayé de faire cette plante hybride parce qu'elle pousse en hauteur et donc elle est plus rentable, ça faisait plus de choux et c'est ainsi que le chou de Bruxelles est né. Donc depuis le chou de Milan, il est devenu de Bruxelles grâce aux habitants de Saint-Gilles. Voilà, mais moi, au bout du compte, quand j'aime bien le chou de Bruxelles parce que quand il est tout petit, qu'il est ramassé jeune, eh bien, c'est un produit excellent. Bon, Juberti, ouf, ça y est, le Saint-Pierre, le pigeon, le homard et ces choux de Bruxelles sont prêts. Vous vous mettez la pression à chaque fois, les chefs, hein, pour trouver des idées? Toujours. On se met toujours la pression et c'est ce qui nous permet d'avancer. On a vraiment besoin de cette pression pour pouvoir avancer dans le métier qu'on fait. Alors c'est relativement important. Alors, on est à quelques mètres de Jess, Aurore et Marie-Chantal qui vont déguster votre travail. Vous vous sentez comment? Un peu fébrile, toujours? Non, je suis assez confiant. Si je dois avoir un doute, c'est avoir réellement ce goût du chou de Bruxelles dans les plats. Voilà, c'est ça qui est le plus important, c'est vraiment de goûter le chou de Bruxelles dans le plat. Voilà. Les filles, à table! Allez, c'est parti, il est temps de passer à la dégustation. Miam miam, place au poisson. Sympathique. Marie-Chantal semble apprécier. C'est crap, c'est croquant. Le chou-fleur, on ne le retrouve pas tellement d'ailleurs. Il est masqué, le goût est masqué. Non, il est là. Il est là. Il est là. Aïe, c'est plus compliqué pour Aurore. C'est la soupe à la grimace, on dirait. Oh là là, mais le foie gras poêlé, là. Oh là là. Un petit goût croustillant. Mais le goût du chou, il est bien quand même. Oh oui. J'adore. J'adore, c'est très bien cuisiné. Je pense qu'il y en avait un petit peu de caché dedans.
mais enfin voilà, là, c'est pas de suite que je suis réconciliée. Et les petites avec fleurs, là, ça passe pas. Non, je suis pas tout de suite réconciliée là. Le croquant, le chou croquant était trop chou pour moi encore. Mais après le reste ça va, mais le croquant du chou était trop, vraiment trop chou. Et maintenant à table pour le pigeon. C'est une première pour nos trois dégustatrices, manger du chou de Bruxelles cru. On va voir. Une fève? Non. C'est bon? Aurore adore. Alléluia. Il y a, je sais pas, on ne sent pas du tout le goût du chou. Et on a l'impression qu'il y a on a l'impression que c'est une mousse de petits pois. Je sais pas. Ah oui? Très bon ça. La chapeau, le cuistot. Hein. Ça, c'est bon. Non. Allez, une deuxième aussi. Les autres aussi. Ça y est, c'est reparti. Encore un peu de régalade avec le homard. Alors, je pense qu'ils sont camouflés par ici, là. Tester. Enfin, la couleur est magnifique. Hein. Là, ça ne le fait pas. Ah non. Ça me rappelle là, les... Non. Non, là, il passe pas. Ramenez-moi la deuxième assiette. Ils sont très bien présentés. Ils sont dessous, mais non. Mesdames, je vous présente celui qui a imaginé tout ça. Juberti Maroni, qu'on peut applaudir. C'est le chef de ce restaurant. Bravo, bravo. Et vous avez donc toutes les trois découvert ces trois plats, du homard, du pigeon et le poisson, le Saint-Pierre. Réaction à chaud déjà de cette expérience, mesdames, d'avoir dégusté ces trois plats. Ah bah c'est un vrai bonheur, merveilleux. La présentation magnifique. Après le goût, je préfère dire bon ben. Oui, allez-y, bien sûr. Voilà. Là, c'est celui-là le petit préféré. C'est celui-là votre préféré. Alors celui-là, tout le monde a adoré. D'accord. Il a fait plutôt l'unanimité. Enfin non, Marie-Chantal un peu moins. Oui, un peu moins. Vous avez adoré celui-là. Moi, j'ai adoré celui-là. Oui. D'accord. Quelle particularité vous avez imaginé dans ces trois plats pour y placer les fameux choux de Bruxelles? Alors, particularité de celui-là, on est resté sur du foie gras. C'est dit que le foie gras avec le chou, ça se marie très bien. Voilà, mais il nous fallait quand même un poisson parce qu'on est en bord de mer, donc bien évidemment on a décidé de mettre un poisson. Après pour celui-ci, le porto et le petit pois parce qu'on est en plein dedans. Mmh. C'est ça. C'est au milieu, c'était une vinaigrette au porto. D'accord. Voilà. Les petits pois parce qu'on est en plein dedans. Bravo. Donc il fallait mettre les petits pois dedans. Bravo, c'était relativement important. Et puis les petits pois avec les pigeons, ça se marie super bien. Voilà. Après le homard là-bas. Là. C'est normal que vous ayez aimé un peu moins celui-ci, parce que c'est celui-ci où on sent le plus le chou de Bruxelles. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous a mis du homard. On peut dire, mesdames, grâce à votre imagination, une envie de recuisiner, pourquoi pas, du chou de Bruxelles, et pourquoi pas d'en remanger, la mission est accomplie. Voilà. D'accord. Bravo. Merci. Bravo. Merci. 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 Un peu angoissée au départ. Quand on va vers l'inconnu, ça fait toujours peur. Et j'ai toujours cette image là qui me reste là, de ma grand-mère et... avec la cuisine là, à l'ancienne. Et quand on aimait quelque chose, il fallait le remanger et non. Finalement, le chou de Bruxelles dans tout ça, ça ne m'a pas dérangé du tout finalement, parce que je trouve qu'il n'est pas mis vraiment en exergue, c'est-à-dire qu'il s'efface dans tout ça. Voilà. À chaud, je ne suis pas réconciliée avec le chou de Bruxelles cuit. Ça ne sera toujours pas possible, mais... Le chef m'a montré qu'on pouvait le faire en salade. Et ça, je vais le refaire à la maison, je pense. Ça me donne des idées, par contre, d'association. Alors, la présentation, magnifique. Chapeau au chef. Mais en fait, cuit, ça a du mal à passer, là. En salade, voilà, ça passe. C'est une expérience à tenter. Ça permet d'aller au-delà de ses limites et de sa zone de confort, surtout. Et ce qui a été merveilleux, c'est que je ne me savais pas capable de ça. J'ai eu un blocage parce que ma grand-mère m'en a fait manger et je pense que c'est resté bloqué dans ma tête. Moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'on avait trois catégories d'âge au niveau de ces personnes qui ont dégusté. Donc c'est relativement important pour moi parce que vous savez, ce qu'on mangeait avant et ce qu'on mange maintenant, c'est totalement différent. Et donc du coup, c'est ce qui m'a réellement marqué et j'ai vraiment adoré.
Et vous, êtes-vous prêt à relever le défi avec un plat ou un aliment que vous n'aimez pas, que vous n'aimez plus? À bientôt pour de nouvelles aventures dans un autre lieu, avec un autre chef, ailleurs qu'au Cap Ferret. La vie, c'est comme la gastronomie, c'est une question de goût et de couleur.